Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Nous sommes en direct sur Twitch, il est mercredi 21h12, bah dis donc, bah, j'ai blablaté là. Et on se retrouve pour bah, le Not So Berry, hein, comme vous pouvez le voir. Ils sont toujours dans cette maison incroyable avec cette toiture. Bien sûr que tout le monde m'envie. Je sais que tout le YouTube game est en train de me copier déjà à l'heure actuelle. Et on a relooké nos gamins. Kiri, qui est notre enfant adopté. Bah, il est pas terrible. Hein. Sans spoil, j'ai rien retouché. On verra bien ce que ça donne en adolescent. Là, ça va encore en jeu, mais dans le CAS... J'ai changé. J'ai enlevé son lit de la chambre des filles. Et je l'ai installé ici avec son frère, qui sera là. Et puis on a ajouté un petit mural pour les devoirs. J'ai décalé un petit peu le couloir ici pour que bah, l'entrée, voilà, se fasse comme ça. Et on a récupéré un petit carré ici pour la chambre. Parce que ça faisait très petite. Et comme ça, c'est bon. Donc on a récupéré un peu. Et puis la salle de bain a été tout petit peu diminuée. Mais il y a toujours le petit trou pour la douche. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah mon dieu, j'ai un frère, quelle horreur. On va dire que Snow, c'est notre fils, hein, et il va prendre le lit du haut. Parce que, comme eux-mêmes, c'est comme ça que ça fonctionne. Et toi, ce sera ton lit... Non. Toi, t'auras le lit du bas, parce que t'es que adopté, en fait. Donc t'es pas notre sang. Et merci pour les coucou YouTube. Salut Mimited, comment tu vas? 12 secondes de décalage environ entre le direct et à mon écran de télé, c'est nul. Mais c'est classique, hein, t'inquiète, hein, Sono. C'est à peu près 10 secondes, moi je le sais, parce que quand je mets en live, quand je commence le live, en attendant que je vois si c'est ok au niveau des qualités, si j'ai toutes les qualités, je dois attendre 10 secondes à peu près. C'est pour ça que vous avez toujours un gap. Si vous regardez une rediff par exemple, vous aurez une dizaine de secondes où il n'y a aucun son parce qu'en fait j'attends de voir si j'ai les qualités. Et si j'ai les qualités, c'est bon, je mets la musique. Parce que le live commence vraiment. Voilà. Ah bah c'est bien, il fait le ménage. Par contre, va dormir mon chat parce que tu es fatigué, il est 6h du matin et tu vas aller en cours. Voilà. Les cours de Kiri. Ouais, par contre, Snow, il... Non, mais non, Snow, il avait grandi après, je crois. Ouais. Voilà. Ah, c'est la caisse, c'est Feta. Feta est levé. Feta est levé. Mais Feta, va te coucher, parce qu'en fait, t'as pas fini de dormir. Alors, oui, j'ai rajouté aussi un peu de décoration dans la chambre des parents. J'ai mis une petite lampe à lave bleue. Éclairage bleu, parce que génération bleue. Et j'ai mis deux tableaux, histoire de... Voilà. Et un tapis. Pour faire un petit peu de décoration. Et du coup, le tag, il est dehors, là. Oui, il est collé à aucun mur. Ça pose un problème? Bon. Salut, Nous. Oh, ça fait longtemps, Nous. Comment vas-tu? Un poète pour YouTube. Oh la méchante. Mais je suis toujours méchante. Kiri ou l'enfant qui va être délaissé, rejeté, il en faut bien sur les quatre. Tout à fait. Pour l'instant, c'est lui qui prend. Hein. C'est pas notre sang, donc forcément, je le rejette. Je suis affreuse. Je suis affreuse. Mais je l'ai toujours dit, hein. J'ai jamais dit que j'étais sympa comme fille. Hein. Sachez-le. Salut Théo, comment vas-tu? Alors, le courrier était distribué. Pardon? On a 7500 de factures? On avait déjà 7700 avant? Parce que pour une petite maison comme ça, faut pas déconner. Bon, je sais, c'est à cause de ce qu'il y a dans l'inventaire, mais... C'est légèrement abusé quand même, là, hein? Heureusement qu'on est millionnaire quand même, mais à ce rythme-là, on va pas finir le challenge avec un million. Non, non, non. Bon, alors, pour notre petite Céleste, tout n'est pas encore fini au niveau de ses objectifs, puisque nous devons toujours
bien, satisfaire son aspiration, la compléter, il faut discipliner encore notre bambin, enfant ou adolescent 5 fois. Donc on est à 2 sur 5. Nous devons également atteindre le niveau 10 de la carrière. Nous sommes actuellement au niveau 6, critique gastronomique. On va peut-être atteindre le niveau 7 aujourd'hui, je n'en ai aucune idée si elle bosse. Elle bosse tous les jours, donc ça va être bien. Et au niveau compétences, nous devons donc, on a déjà le niveau 10 de cuisine et le niveau 5 en photo. Donc il nous faut juste le niveau 10 en éducation et on est déjà à 8, presque et demi. Donc il nous reste aspiration, carrière et éducation. Et après on a terminé. Voilà. Donc petit programme qui va être basé là sur ça exclusivement. On va essayer de se motiver en tout cas. Voilà. Kiri va bosser. Va à l'école, je veux dire, va bosser. On t'aime comme tu es. Oh la vache. Mais c'est beaucoup trop mignon. Tiens, attendez. Pas ça, je voulais vous envoyer du love. Voilà. Je vous envoie du cœur. Ça fait grave longtemps. Enfin, je te regarde toujours, même en soum-soum. Ah, tous pas parler. Bah oui, ça va bien, ça va bien. Ça fait plaisir de te voir, en tout cas. Les chasses d'eau, je pense. Ah, tu penses? Ouais, c'est possible. Mais il a trouvé les doigts de Soulani, lui. Mais pourquoi tu cherches les doigts de Soulani, mon... Pourquoi tu cherches les doigts de Soulani? Merci beaucoup, July, pour ton follow. Nous sommes à un follow des 3400. Qui veut être le 3400e? Qui? C'est maintenant. Faut appuyer. Faut appuyer sur le petit cœur. Et vous gagnez le loto. Voilà. Bon bah lui après il fait sa vie hein. Il est quoi en taf? Ah mais c'est vrai qu'il avait perdu son taf. Parce qu'on avait eu l'opportunité. Il était devenu ami avec une star. Ah, il a plus de boulot. Qu'est-ce qu'on fait? On lui retrouve un taf ou il devient homme de maison comme tous les concubins et concubines de ce challenge avant lui? Où il passera l'aspirateur comme... Ah bah non, il y a la femme de ménage qui vient pour faire le ménage. Ouais, on va laisser Snow se laver et tout, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Huge. Non, non, on va pas... Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Pleurer? Bah oui, je vois bien que tu pleures, mais en quel honneur tu pleures, Jacqueline? Tu vas servir le brunch. Un brouillard de petit déj, on va vous donner à manger. Et... Non, Nila, on n'a pas le temps. On a une vie. Céleste a appris que Nila était critique d'accoutrement à cet endroit, elle et Gans S.A. C'est vrai qu'on avait galéré, mais on avait réussi à... Et arrête! Réussi à marier Nila, hein. C'était compliqué, mais on avait réussi, quand même. Taf, taf, je l'imagine bien pêcheur, homme de maison. Je vais vous faire un sondage. Un petit sondage Yos. Un petit sondage Yos. Vlad. Ce qui s'appelle Vlad, ce garçon. Oula, je sais plus écrire. Oh là, le mari. Ah, merde. Je voulais faire un laïus. Vous avez 3 minutes pour voter dans le sondage. N'hésitez pas à vous exprimationner avec plaisir. Non, moi, prends pas ça, toi. C'est pas bon pour ta santé. Et vous me dites si vous voulez qu'il travaille ou s'il reste à la maison. Et je veux le caleçon à cœur. Ah bah ça, c'est Martialoux hein, qui l'a fait, donc... Si, il a le caleçon à flamme, je crois, lui, non? Je ne sais plus. Ah non, il a pas... Il a même pas un caleçon à flamme. J'avoue, c'est triste, un peu. C'est triste, quand même. Sondage, comme dit Marcelou. Ouais, j'ai toujours pas son... Son truc.
Bon, c'est bon, toi? T'as fait tes trucs, là? Tu vas pisser, tu manges? Enfin, je sais pas, tu... Et après, tu vas faire du yoga, mon garçon. Qu'est-ce qu'elle a, Mozza? Elle mange par terre. Franchement, quelle éducation dans ces gosses, moi, je vous le dis. Demande. Votez. Bon, personne ne veut être le 3400e. Bon, bah, tant pis. Sinon, je vous aurais offert un petit VIP, là, pendant... Vous aurez été le tout premier VIP de la semaine. Un petit VIP pendant, quoi, une semaine ou deux? Non? Il n'y a pas de VIP sur la chaîne. Oui, j'essaye de soudoyer, et alors? C'est comme ça que ça fonctionne. Et YouTube, là, pourquoi tu viens pas sur Twitch, là? Toi qui regardes sur YouTube. Je te vois. Hein? Salut Fiji, comment vas-tu? Mais oh, un VIP, chez moi, il y a zéro zip, hein. Bah, ça, enfin, en vrai, j'ose pas parce que je me dis ça va créer des jalousies pour des conneries, en fait, et j'ai pas envie de ça. Je pourrais mettre certaines personnes que je connais dans la vraie vie, qui peuvent être aussi, pourquoi pas, de ma famille ou autre, je peux. Mais... Il y a aussi une part que je voudrais garder privée dans ce cas-là, s'il y a des personnes que je connais, voilà, machin, parce que vous avez demandé pourquoi et tout, machin, bidule. Donc, je ne le fais pas. Ah, merci beaucoup Guita pour ton follow et bienvenue à toi pour tuer... Le ou la 3400e, je t'applaudis et je te dis que c'est la fête, évidemment. C'est la fête, c'est la fête, ce niveau me prend la tête. Ce gameplay pourri me saoule tellement que je vais manger ma manette. Piège à loup dans les trous, on aime bien prendre des coups. Putain de noix, ah bah bravo, mon cheval finit dans l'eau. Catastrophe, c'est fini. Regardez, j'ai plus d'amis. Ça, c'est pas un jeu pour les fillettes. Ça y est, là, j'en peux plus. J'en ai vraiment plein le cul. C'est bon, j'arrête. Vinaigrette, je prends ma retraite. Merci beaucoup à toi, Guita. N'hésite pas à mettre un petit mot dans le chat et je te mettrai ton petit VIP pour les deux prochaines semaines. Et ça me ferait plaisir, comme ça. Merci beaucoup à toi. Bah ouais, la gamine, elle fait du caca, donc elle va l'engueuler. Parce que ça, c'est dans son aspiration. Voilà. Et donc, notre petit Vlado, Vladi Vladon, va devoir travailler, parce que vous l'avez décidé comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre gamin qui fait des conneries là? Ce serait bien pour... Elle est où, Ah, elle mange. Tu sais ce que tu veux faire? Tu vas... Soins donnés aux bambins. Non, c'est pas ça. Éducation. Apprendre à dire pardon. Voilà. Donc, on va y trouver un taf. Et toi, tu vas arrêter de jouer. Tu vas faire du yoga. Voilà. Ça te fera les pieds. Et toi, après, tu te mets à travailler. Sachant qu'il était en cuisine. Donc, plus de cuisine, hein, pour vous, pour lui, hein. Qu'est-ce qu'on a envie qu'il fasse? Guita ne parle pas. Guita et... Ah! Oh non! Voilà la reine du comme même. Ah, merci beaucoup Guita! Comment vas-tu? Tu en plus reçois un sub offert par cette chère Marine, la reine du comme même, hein, bien sûr, on la connaît tous. Pas besoin de vivre, je suis fière d'être la 3400e. Ben non, mais ça me fait plaisir, et pourquoi pas? Après, c'est provisoire, mais c'est bien. Je devrais faire ça, d'ailleurs, chaque centaine, il a un petit VIP pendant une ou deux semaines, ça peut être sympa. Et merci beaucoup, Marine, pour l'abonnement offert à Guita. Gros bisous à toi, Ismail est beau. Et comment vas-tu, madame la reine du comme même? Tiens, Guita, je vais te VIP quand même, puis c'est comme ça. Comment on fait? Par contre, j'ai jamais fait ça, donc je ne sais pas comment on fait. La 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 la. Bloqué. Non, je ne vais pas te bloquer. Je suis pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Est-ce que c'est slash VIP, un truc dans le genre?
Gérer l'utilisateur suspect. Bah non plus, non, tu m'as pas l'air très suspect. Bannir, non, je veux pas te bannir. Non. Je veux pas te mettre modo non plus. Je ne sais même pas comment on fait, c'est ça qui est beau. je vais faire ça, je vais faire jeep. Oui, c'est beau. Ah, le petit VIP. Le petit VIP. Bravo à toi. Voilà ton abonnement, comme toujours, grâce à Marine. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais non, mais t'as toujours des excuses, Marine. Hein. Et à un moment donné, ça suffit. Hein. Oh là là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, lui fait faire comme boulot à ce garçon? J'ai pas fait attention quel trait il avait. C'est pas grave, on s'en fout, à la limite. Ça ira mieux un autre jour. Encore, ma cocotte? Oh, aïe, aïe, aïe. Bah, moi, ça va, t'inquiète, ça va. Pêcheur, ça serait top. Deuxième personne qui dit pêcheur. Ok, bah si ça vous tente, on va le mettre pêcheur. Après, c'est un petit job, hein, il va pas travailler tout le temps. Hein. C'est de 5h à 9h ou de 21h à 1h du matin. Bon, au niveau horaire, c'est pas génial. Hein. En tout cas, bienvenue à toi, Cassie. T'offres un VIP, j'offre un sub. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Attention. Hein. Et les VIP, je crois pas qu'ils soient illimités. Hein. Je peux pas en donner 160, hein, comme toi t'as fait, là. Je peux pas. Période très compliquée, malheureusement. Ah, merde. On envoie tous de l'amour à notre petite Marine. Hein, la reine du comme-même. Je mange au retour stream. Bon app à ceux qui n'ont pas encore mangé. Oui, tout à fait. Et bon app à toi. Au moins, elle sera pour faire les devoirs au môme. Oui. Du coup, plus quand? Le soir? Parce que le matin, sinon, il sera obligé de se coucher tôt, s'il avait à 5 heures. Je pense qu'on lui fait faire le soir. C'est pas mal. Ouais, on va tenter le soir, si c'est chiant, et ben. Ça, la journée, il fera le ménage, tout ça, quoi. Ouais, voyez, il va commencer, d'ailleurs. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, mon petit. Et lui, il va aller fièrement faire son yoga. Il fait, oh tiens, c'est pas du caca, c'est un tas de cendres. Que la femme de ménage n'a pas nettoyé d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais casse-toi! Mais d'où t'es là toi? On te connaît pas? Mais quelle honte! Le soir? Et ben voilà. C'est laquelle qu'on éduque là? Je sais même plus. C'est Feta. Moja, elle a fait caca dans sa culotte. Tu peux aller au... En plus, tu peux aller au pot. Non, Moja, t'es chiante. C'est pas bien ce que tu fais. Réellement, c'est pas bien. T'es pas sage. Que d'amour, waouh. Il est temps de ressortir le fameux Love Hotel. Suçon. Love Hotel. Suçon. Cœur violet. Le fameux Love Hotel Suçon. Elle est trop mini feta. Mais et Moza, elle est quand même choupette. Hein. Moza, elle est plus mignonne que sa sœur. Incroyable ça! Un cube! Ben mec, tiens, t'as une poubelle à vider. Qu'est-ce que t'as fait toi? T'as bu? Ah non. Alors, t'as rien à Mais j'ai pas dit travailler à la maison? Si, j'ai dit travailler à la maison? Ah, oh, je me suis rendu. Oh, Kiri est revenu avec un... Oh, il est chiant aussi, lui. Avec un projet scolaire. Oh. T'aurais pas pu faire autre chose qu'un projet scolaire voilà. T'iras le faire après. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà oublié. Ah oui, travailler à la
maison. Ah merde, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Regarder la chaîne cuisine pendant 4 heures, faire la critique de 3 boissons. Voyons, c'est compliqué. Hein. Alors, on va regarder la chaîne cuisine. Cuisine. Parce que de toute façon, c'est la place de la femme. Salut, votre avis. Salut la brique, comment tu vas? Je viens de me rappeler que je voulais te dire un truc. Miss Shirley, j'adore le lit de bonbin que tu as fait à Sixteen dans le genre des Lady. Merci, mon chéri, c'est gentil. Vend le projet scolaire, c'est ce que je fais. Ouais, après ça améliore leur note. Cuisine. Ouais. Cuisine. Alors par contre, tu sais que tu peux t'asseoir aussi pour regarder la télé. C'est le même prix en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru entendre du bruit, mais ça va. Atteint le niveau 2 de compétence pêche. Ah, bah tu vas aller pêcher, mon chat. Tu vas aller pêcher, mon chat. Alors, où est-ce qu'il y a de la... Il y a de la pêche ici. Tiens, tu vas aller pêcher. Hein, on a tendance à oublier qu'on est à Soulani avec... Avec ces histoires-là. Regardez comme c'est beau. Hein. On est quand même à la mer. Parce qu'on est toujours focus sur la baraque, mais on oublie. Non? Tu continues à regarder la chaîne cuisine? Tu arrêtes? Non, pas action. Je me suis trompée. J'ai cliqué trop vite. Cuisine. Là. Asseoir. C'est 4 heures. Hein. T'as même pas regardé une heure. Quelle honte. Alors, ça s'entraîne? En vrai, bon, je sais pas faire de yoga moi, mais il a du mal. Mais dans un tel environnement, c'est quand c'est bien. Moi, ça me va. Hein. Aucun problème. Le chien de la tête en bas. Voilà. Tu critiques mon fils? Fais gaffe, hein. C'est là qu'il me sort un... Pendant qu'il se contorsionne comme ça. Bon, faut savoir, hein. Zut. Mais ça suffit. Mais sérieux? Tu vas regarder cette chaîne ou comment ça se passe, là? On te demande de regarder la télé. C'est compliqué ou pas? Ça a l'air d'être très compliqué, parce que moi, elle a vachement de mal à l'exécuter. Hein. Oula. C'est quoi, va faire une sieste, toi, parce que t'es fatiguée. Et moi, Titi? Ça va, mon grand? Titi, il est sorti. Et salut, swag de poulette, comment tu vas? Sophie disparaît dans son lit, bonne soirée, tout le monde. Vache. Eh ben des bisous mon soldat, bonne nuit. Et puis à très bientôt. Je l'espère. Peut-être vendredi. Pour une nocturne. 22h, t'imagines. Alors, la dinde, vous la mettez dans un plat, puis le plat dans le four, vous ouvrez le frigo, vous sortez je sais pas quoi. Vous mettez dans la friture, vous touillez, vous mettez du sel. Et vous embrassez là, votre public. Mouah! Comme ça. Ça va, soit de poulette, ça va bien. Mais Rocco, tu t'énerves, ça me rappelle les vidéos du début de Sobéry quand Seth veut constamment aller sur l'ordinateur au lieu de faire du sport. Ouais. C'est possible, ouais. C'est largement possible. Tiens, tu vas aider pour le projet. Après avoir fait travailler ton corps, va faire travailler tes neurones. Pas très souple comme gamin. Hein. Alors je sais que je le suis pas,
Mais j'ai plus 8 ans. Hein. Je me souviens plus que 7, il faisait toujours l'ordinateur. Mais je pense qu'à l'époque, on pouvait pas bloquer l'ordinateur comme on peut maintenant. Ça, ça a été une super amélioration, ça. C'est bon, tu regardes. C'est quand même pas compliqué, hein. On n'est qu'à la moitié, hein. 2 heures sur 4. Bon, elle finit dans un quart d'heure, donc ça veut dire qu'elle aura pas fini ce qu'on lui a demandé de faire. Juste regarder la télé pendant 4 heures. Elle est payée à faire ça, quoi. Toujours la vieille qui fait la même chose avec sa dinde. Hein. Là, elle a trouvé un bol de chips. Mais je veux pas que tu fouilles les poubelles, Jean-Claude, je veux que tu pêches. C'est pas compliqué, non? 3 heures. Bon, c'est trop tard, on est censé avoir terminé notre journée. Tant pis. J'ai un anniversaire surprise samedi jusqu'à 5 heures. Mais oui, j'espère être là un peu. 5 heures du matin? Non, de l'après-midi, rassure-moi, à ton âge. C'est un goûter. Je rigole. Je la surveille parce que comme elle regarde pas, elle fait pas ce qu'il faut. Avis amical, sentiment, conseil amicaux. Passer du temps avec quelqu'un d'assez attentionné pour vous donner des conseils. Bah, je pensais que t'étais pas content parce que t'avais un nouveau frère. Mozzarella qui est là en train de regarder. Mozza, tu sais aller aux toilettes, ma cocotte? Oui, bah tu vas y aller. Ça c'est fait. Et lui, là, le niveau 2 de pêche. Et il pêche des algues. Donc c'est très bien pour son boulot. Ah bah il travaille dans 2 jours. Est-ce qu'il aime le fitness, notre petit Snow, à votre avis? Non, non, du matin, de 19h à 5h, je vais mourir sur place, m'endormir dans un coin de la salle des fêtes. Je pense que oui, tu vas t'endormir. Mais non, tu vas kiffer, tu vas bouger ton booty, tu vas le secouer dans tous les sens, tu vas twerker, tu vas nous envoyer des vidéos genre... Waouh, t'as vu comment je me suis éclatée, sa mère? Et tu sortiras tous les week-ends, après je te connais. Oui, ça lui fera pas de mal. Allez, il aime le fitness. Laisse ses enfants tranquilles. Ah, ça y est, elle a enfin regardé sa télé. Alors, des boissons. Comment tu peux critiquer des boissons? Ah, il a fini. Est-ce que tu peux... à ton enfant, tu peux lui apprendre la responsabilité, ça lui fera pas de mal. Parce qu'on peut recommander des lieux et compagnie. Est-ce que sur un enfant ça marche? Est-ce que c'est juste ça ou il faut boire un truc? Je pense qu'il faut boire parce qu'il y a zéro possibilité. Après c'est peut-être parce que c'est un enfant. Ouvrir. Est-ce qu'il faut pas un bar? Ouais. Oh, du fromage. Oh. Attendez, quoi? Repas rapide, là, voilà. On va prendre de l'eau. On va goûter de l'eau, on va critiquer l'eau. Parce que l'eau, c'est surfait. Ah oui, tu vois, j'ai oublié ce que je voulais. Mais Kiri, t'as fini ton projet, c'est bien, tu le prends maintenant. Et tu... Enfin, il dort. Snow, tu peux aller aux toilettes aussi. Yo, Patsy! Arrête de penser à ta gamine. Laisse-la tranquille. Alors, comment on fait pour critiquer de l'eau? J'ai même pas fait faire critiquer de l'eau. Faites la critique de 3 boissons à n'importe quel stand de nourriture, restaurant ou bar. Ah oui, donc c'est mort. Tu vas pas me boire ça. Ah, c'est chiant!
la critique de la nourriture. Ah mais c'est pas ça. Ah oui, trois boissons, n'importe quel stand de nourriture. Voilà, il n'y a pas de boisson, donc il n'y a que de la nourriture, on va tester. Il n'y en a qu'un, je crois. Ah non, t'en as un deuxième là, trop bien. Oh, Pokéball. C'est bon les Pokéball. C'est pas comme dans les Pokémon, mais c'est bon quand même. C'est très très beau. On va aller voir si ça marche. Non, ça a pas marché du tout. Hein? Mais j'ai pas demandé est-ce qu'elle le mange, si? Ah si. D'accord, donc elle va... Ah oui. Ah oui. Eh ben moi qui ai perdu du temps pour... Enfin, qui ai les doigts de Soulani. C'est que... d'accord. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que t'as pêché? Eh ben, t'es doué, tiens. Allez, rentre chez toi. Je pense que ce sera pour un autre jour, hein, que tu nous pêcheras le festin du soir, parce que là... Qu'est-ce qu'elle a? T'es fatigué? Ben, dors. Ah non, tu dois aller aux toilettes. Et t'as faim. Mais non. Mais tu devais... Je t'avais pas demandé d'aller bouffer, d'ailleurs. Je me suis trompée de jumelles, je sais plus. Allez. Toi, Jeannot Lapin, là. Ah, c'est pourri. Ah non, c'est moisi. Oh, mais zut. Pff, elle voudra pas manger du moisi. Pourquoi les enfants, ils mangent pas de moisi? C'est bien le moisi. C'est plein de protéines. Ah, elle va manger du fromage. Tu me diras, c'est pas mieux. Ah, parce qu'il va taper dans le fromage, c'est pour ça que je veux pas le faire. Il faut un bar, même pas, t'as vu. Prends une portion dans l'inventaire. Et un bon fromage. Toi aussi. Il reste combien de... Vas-y, tu prends une portion dans l'inventaire, ma biche. Ça a pas marché, vas-y. T'emmerdes même pas, rentre. Ça marche pas. Bonne soirée à toi, Guita. Merci en tout cas pour ton follow. Mais c'est de la nourriture, faut que tu fasses avec de la boisson. Oui, mais j'ai testé au cas où, mais ouais, il faut vraiment de la boisson, quoi. Ah bah, tu peux faire ménage. Party. Ah, c'est bien, Mozza. Et contente, Mozza. Mais tu manges une... Toi, attends. Non. Mais je vous ai demandé de manger, les filles, en fait. Oh, elles sont un peu teubées. Ah, mais c'est toi qui as deux parts. Oh là là. Les gosses. Elle va grossir à manger autour. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'on a, galéré à la faire maigrir. Et puis si c'est pour... finalement, regrossir à cause de ça, c'est dommage. Alors, papa, t'as d'autres choses à faire, je te ferai dire. T'as la poubelle à vider. Tu vas réparer les chiottes parce qu'on est des pinces et qu'on n'a pas envie de dépenser. Parce qu'on n'a pas payé les factures encore. D'ailleurs, il ira payer les factures. Maman! Maman, tu n'as pas fait tes critiques. Ton patron va être moyennement content. Tu vas illuminer la journée de ton fils et l'enlacer, parce que tu l'aimes un peu, même malgré qu'il ça son visage disgracieux. Oh, du bon fromage. Je me déco des cours, je réviserai demain matin. Il faut des fois, hein. Parce que trop, après, t'arrives plus. Donc des fois, ça fait du bien de déconnecter. Tu vas lui embrasser la joue, tiens. On peut pas l'éducation. Aider à faire ses...
Discussion satisfaisante. Elle va le mettre au lit. Sachant qu'il est en lit superposé, je sais pas si ça va marcher. Oh, les petites, elles sont crevées. Bon, elles ont mangé un petit peu, c'est déjà ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? S'évanouir. Oh non! Oh non, biche! Oups. Les bambines grandissent quand? Eh bien, 2 jours. Encore 2 jours pour les petites. Ah mince, j'ai pas regardé comment elle a fait pour le coucher. Bah tant pis. Allez, tu peux aller aux toilettes et après dodo. Il y a 1h du mat. Ouais, Mani. Eh ben dis donc. Maintenant, je me brosse les dents tout ça et je me pose dans le stream. T'as bien raison. Sors au bar, ils vont se gérer tant que t'es parti. Ouf, c'est trop tard. Non, parce qu'il faut un stand de boissons et tout, et je crois que c'est pas ouvert, après ça ferme. Non, je me lève à 8h pour travailler, histoire de remettre des choses dans mon cerveau. Oh là là. J'essaierai de penser à toi à 14h alors. C'est quoi la matière? Alors, je t'ai pas demandé de t'occuper de tes gosses, en fait. Pourquoi il se lève, lui? Qu'est-ce qu'il a? Il pue? Tu te lèves parce que tu pues? Bon, c'est une bonne raison. Pauvre gamin. Si j'oublie pas, parce que tu sais, des fois, mais après, tu sauras pas que j'ai pensé à toi ou pas, mais... si je pense à toi, ce sera forcément pour un... Avec des bonnes ondes, comme ça. Pour que tu réussisses. Même si je n'en doute pas. Ah bah tiens, t'es mignon, tu feras tes suras par terre. Faut bien qu'il nous serve ce gosse quand même. Ouais, on va faire un peu le ménage. Regardez, il est content. Non. Non, ma chatonne, tu vas dormir. Dis donc. J'aime bien les chambres toutes blanches, en vrai. Je trouve ça très sympa. Ah, tout le monde dort, j'enregistre. La matière est une matière catastrophique, c'est de la physique. Ah, yeah, oui, d'accord. Attendez, je vais passer la chimie, une cata, je dis pro et maths. Ok. La physique, chimie, ouais, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Moi, ouais, j'étais pas très douée, c'était pas là-dedans que... Bah, j'allais dire que j'excellais, mais est-ce que j'ai déjà excellé là-dedans? Dans quoi que ce soit, je ne sais pas. Moi, à l'école, il n'y avait pas option, option Sims. Hein. Donc, vous pouvez imaginer que j'étais assez mauvaise dans le reste. Hein. Déjà que dans les Sims, petite moyenne. T'as eu la fameuse idée d'aller en sciences, ouais, j'avoue. Bah après, il y en a, ils sont doués, hein. Je veux dire, c'est normal, si tu es attiré par la science, tu peux te dire, bon bah, je vais peut-être y arriver, et puis bon, la réalité, des fois, elle est un peu plus compliquée, parce que c'est poussé, mais tu sais pas. Et tu auras au moins le mérite de te dire que t'as essayé, et c'est déjà ça. C'est justement ce que j'étais en train de penser, c'est joli les chambres blanches. Mais j'ai déjà fait une vidéo avec One Color Challenge, il y avait c'est vieux hein. Et j'avais fait toute une maison blanche, tout en blanc. C'était cool en vrai parce que c'était très pur et tout, et c'était vachement sympa. Enfin moi j'ai trouvé la maison, bon, avec mon talent de l'époque hein, c'est-à-dire un peu à la Ross, ceux qui ont la ref. Et ouais, c'était assez sympa. Alors pour ceux qui connaissent pas, hein, ici c'est tous les Sims qui ont précédé. Toutes les générations sont ici, toutes les couleurs. Et ça c'est Pom Pom, c'est la maman de notre Céleste qui est bleue. Hein. Toya, Chamallow en rose,
Copper, qui est la génération orange, Lila, génération mauve, Nuage, génération grise, Pulco pour le jaune, Bordeaux pour le rouge, et Pepper pour le menthe. Et tu venais me dire, bah, pourquoi ça s'appelle Pepper, c'est poivre. La menthe poivrée. Puis Bordeaux, c'est pas rouge. Ah ouais, je sais. Écoutez, c'est vous qui avez choisi Bordeaux, je crois. Il me semble, non, mais oui, mais il me semble que c'est vous qui choisissez les prénoms, en vrai. Je donne mes préfs et après vous choisissez. J'ai pas trop le blanc entièrement perso, ça me fait penser à l'hôpital psychiatrique. Ouh, alors là, ça sent le vécu, son mono. Je veux lui des bisous, Pyriate, des bisous, des pesos, des bisous et du love. Et des boules, et des cœurs boules. Franchement, au lycée, j'ai adoré tout, j'étais vraiment bien et tout au niveau des notes, mais à la fac, c'est une horreur, les cours ne me donnent pas envie, les profs aussi. En plus, je suis à 1h30 de ma fac en voiture. Ouais. Disons que tous les éléments, il n'y a rien qui... Tout se cumule contre l'envie, quoi, contre le plaisir, on va dire. Ah, c'est dommage. Alors, tu vas faire des toasts avec des œufs. Ah, nos garçons. Ah, lui, il est coincé dans le mur. Ils vont à l'école. C'est bien. Et rencontrer de la meuf. Hein. Ou du gars, je m'en fous, moi. Faites ce que vous voulez. Même si on s'en fout, a priori, on n'a pas les casés. Donc, c'est déjà ça. Parce qu'on est focus sur notre petite... Céleste, qui pour l'instant, on n'a pas beaucoup travaillé comme il faut. Elle travaille 13 heures. Bah ouais, mais les stands de nourriture, ils ont pas de boisson ici. Il n'y a pas de boisson. C'est-à-dire que c'est bien, on en a deux à proximité, mais... Il va falloir qu'on bouge. Elle commence à 13 heures, donc on a le time de bouger. On a le time, turning the mind. A chaque bye, take a chaque look, a chaque nickel. Toya a parité des gènes de Pepper, comme casser les toilettes à cause de la malice. Ah, et ben Pepper ne le faisait pas, hein. Je me souviens pas hein, qu'elle ait cassé les toilettes. Hein. Elle pétait sur son mec et ses enfants. Ça, par contre, c'était la reine du P. Hein. Ça, pour péter sur sa famille, elle y allait bien. Oh, je suis pas folle, mais je rigole. Le matin, j'y vais, je traîne des pieds. Pourtant, j'adore la science, c'est hyper intéressant. Et cette année, j'ai pas du tout l'envie. C'est peut-être pas un bon cursus. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas la bonne méthode, la fac, non plus pour toi. C'est possible aussi, c'est peut-être juste la façon de la méthode d'enseignement qui te correspond pas. Je sais que ouais, je suis allée en fac aussi, bon ben. Bof quoi, c'était pas l'éclate quoi. Elle figeait tous ses collègues, j'avoue. C'est vrai qu'elle était toujours en train de friser tous ses collègues et elle emmerdait toujours Quentin. Quentin, on a un truc à te demander. T'aurais du métal. T'aurais ça. Elle emmerdait tout le temps son collègue, c'était trop drôle. Qui irait commencer une bagarre sur la nourriture? Année d'ornée, influence l'empathie, ou devrait tenir les responsabilités, c'est vrai. Oui. Bon, alors on va aller critiquer, on va aller se balader. Enfin, on va se balader, on va aller en ville. Il y aura plus de choix, je pense, pour les stands. Je pense que la fac ne me convient pas. Peut-être que pour moi, le BTS est plus intéressant. Mais ouais, grave. Parce qu'après, t'as une idée de ce que tu voudrais faire avec... à étudier les sciences ou pas du tout? Je vais aller ici, au marché des épices. J'ai l'impression qu'il y en aura peut-être plus. C'est pour savoir aussi où, si tu veux... s'il y a un métier qui t'attirerait plus. En vrai, je sais pas du tout. Il y a des cours en fac, tu te demandes à quoi ça sert. Ça. Il y a un tag. Ce tag. Allô?
D'accord, bah, il y aura de la boisson ici. Ah, d'accord. D'accord, ça, c'est... Ah bah... Le mec, il s'est barré, quoi. Puis ça marche même pas, je fais, y avait même pas... Ah, faire un criquet de la nourriture. Y a pas de boisson. Ah. Ça marche pas. Bon, bah écoutez, c'est pas... Ok, on va changer de quartier. On va aller, hein. On verra bien. À la base, je voulais faire un master 2 pour devenir ingénieur en labo, mais là, c'est mal barré. Ah oui! Ça m'a bien compliqué tout ça. Ma fille a encore un an et elle va entrer au lycée. Faut passer en BTS, puis 3 années de fac et master. Oh la vache! Pff, putain, vous avez du courage, hein. Moi, c'est pas... Moi, ça me contient plus. Je suis contente. Alors. Et on a le nigiri de Fugu, hein, si on a envie de tuer quelqu'un, mais non. C'est possible ou pas de faire cette... Parce que, bon... Ouais. Hein? Bon, il n'y a pas. Il n'y a pas de boisson. Ah, attendez. Les boissons... Je sais que là, il y a plein de trucs. On va tester encore. On verra bien ce que ça donne. Après, il y a des cours, c'est vraiment pour la culture générale, mais je trouve que le QC se bloquait trop dans un domaine. C'est compliqué de passer un autre parfois. Ah ouais. Essayer d'aller au bar. Mais non, parce que, il faut dans un stand de nourriture. Enfin, il faut des stands. N'importe quel stand de nourriture, restaurant ou bar. Ah oui! Ah oui, ou bar. Ah ouais. Ah ouais. Ah, excusez-moi, je ne sais pas lire et compter. Y'a pas. Et ben, on va au bar. Il nous reste encore quelques heures. Bar à cocktail. Écoutez, on va aller à un bar. Weinenberg. Café. Bar. Auberge du vieux quartier. Allez. C'est bon. On va se balader, dis donc. Heureusement que c'est gratuit dans les Sims. Hein. Neige. Ouh, quelle incroyable décoration. Faire la critique d'un plat. Faire la critique d'une boisson. Alléluia. Grappe au Branco de Granite Falls. Allez. Parra. Eau pétillante. Parce qu'il en faut pour tous les goûts, bien sûr. Et cola crémeux. Allez. On a pour des bourgeois, on a pour les bobos qui veulent pas, mais moi je veux ma petite eau pétillante pour pas prendre 3 grammes. Et on a pour les gamins avec le cola. Voilà, comme ça c'est fait. Allemande Ara. Eh, hey, va picoler, va être rebou. Elle va être par terre. Tu vas boire les 3 verres en même temps, meuf. Oh là là, Huge qui revient... qui revient à la charge. Huge, elle a trompé son mari avec ce mec. Il va falloir à un moment donné qu'ils se revoient pour qu'elle mette fin à la relation, quand même. Mon PC a plus de batterie, je vais pas sur le PC de jeu. Pas de soucis.
Et re-coco. Voilà, toi pisser, bah bien sûr. Ah, c'est vrai qu'il y a un placard ici. Il y a des toilettes, j'espère. Ah, dis pas que c'est des toilettes genrées. Mais si. J'aime pas les toilettes genrées dans les Sims, c'est chiant. Et merci beaucoup, Lucifer, pour ton follow. Bienvenue à toi. Eh bien, aujourd'hui, on va partir travailler, évidemment. Eh. Elle en a fait qu'une de critique, là, pour l'instant. Non, on veut pas de rancard avec toi. Kiri a... Et sinon, on a rencontré Justine. J'ai pas le temps de voir. Et alors? Ah bon, bah ok, elle va bosser. Bah merci à toi, Lucifer. Voilà à quoi elle en est réduite faire les barres, je te jure. C'est triste, hein. Sous prétexte que c'est une critique gastronomique. Bon, bah elle est au taf, hein. Voilà. Et on a que Vlad. Qui normalement n'a pas le droit d'aller sur le PC, mais il va quand même. Ah non! Dis, tu sais aller au pot, hein, chuchote! Oh purée. De pommes de terre. Aïe, 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 aïe. Eh, il va encore à bouffer. Elles ont pas faim, les petites? Non, c'est bon, elles ont mangé. Ok. Non, j'ai mis le plat, je sais pas où, mais il est pas dans le frigo. Ah, il est là. Il volait dans la chambre. On n'a rien vu. Eh, mais lui aussi, il pourrait faire un peu de yoga. Ça va lui refitter un petit peu, là. Il aura des muscles et tout. Avec tout ce qu'il bouffe. J'ai oublié la tenue. La tenue de débat. La tenue de débat de ce sport. Ah, c'est pour ça que Martial n'est pas là aujourd'hui. La dernière fois, vous l'avez vexé. Et c'est l'heure de la poube. Alors ça, c'est encore les gamins qui se battent. Triste déjeuner. Trouver un autre enfant, Mme Cessno, lui a pris l'argent de son déjeuner. Il est en train de pleurer chez le directeur. Quelle chuchote. Trouver le responsable ou je le ferai. On défend notre enfant, quand même. Faudrait le relooker. C'est vrai, une autre sauberie. Le mal grossit et perd ses beaux pectoraux. Ouais, c'est pour ça, on va travailler un petit peu. C'est l'heure de la pub, donc je vais vous passer une petite page de pub puisque ça a été demandé par Marine. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez une petite pub à la place du stream, parce que là, sans rien faire, ça me rapportera quelques petits centimes d'euros et ça fait toujours plaisir. Donc pour vous, c'est gratuit en tout cas. Donc merci. Ouais, on va ramener Amélie, ouais. Ouais, on va ramener Amélie, ouais. Oh là là, Snow. Tac, tac. Allez hop, tu pues, tu manges. Tu te laves, tu manges. Toi, je m'en fous. Aïe, 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 c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, elle a les yeux verts. C'est rare. C'est rare, hein, les enfants qui... Bon, il fait la gueule, ça, c'est pas rare, mais... Amélie de l'Estang. Ouais, bah, tu peux discuter avec elle, respectueusement. Évidemment. D'ailleurs, j'ai eu une pub en me connectant. Paf, tiens, je vais pas balancer. En me connectant en live, est-ce que ça te rapporte aussi? Oui, tout à fait, Ruline. Tout à fait, normalement, oui. Elle va jouer à faire semblant. Cauchemar dans la cuisine! Et chez Best! Et dans les Sims. Oh, vous imaginez un feat
et chez Best les Sims maintenant, bah parce qu'il est pas américain, mais ce serait Gordon Ramsay. Cauchemar en cuisine. Céleste décide d'aller rendre visite à un restaurant en difficulté. En entrant, elle est immédiatement déçue. Une décoration fatiguée et poussiéreuse ne parvient pas à cacher le fait que la salle à manger n'a pas été rénovée depuis au moins 10 ans. La nourriture servie donne des crampes d'estomac à Céleste. Elle se demande si écrire une simple critique est suffisant. Si c'est la nourriture qu'ils servent à une critique, qui sait les horreurs qui se cachent en cuisine ? Cuisine ! Céleste va-t-elle débarquer en cuisine pour faire une inspection surprise ou simplement rentrer dans son bureau et écrire une critique cinglante ? Mais c'est prête à vous allez voter parce qu'en fait on perd pas, j'ai été là comme ça, je veux dire bah ouais mais faut pas qu'elle perde son emploi parce que c'est un challenge et qu'il faut qu'on aille au niveau 10, mais il n'y a pas de question de perte d'emploi. Est-ce qu'on inspecte la cuisine? Céleste augmentera sa notoriété et ternira sa réputation et se fera un ennemi, mais que, on s'en fout hein, les ennemis de toute façon on en a tous même sans rien faire. Cuisine ou écrire une critique, il n'y aura aucun changement dans la vie de Céleste. Eh bien, je vais vous demander... on va faire un sondage. Cuisine. Cuisine. Est-ce qu'on inspecte la cuisine ou on fait... on écrit la critique. Je vais vous mettre une minute parce que c'est le minimum. Soyez au taquet, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous votez. Ne vous trompez pas, hein, quand même. C'est pas grave, vous avez quand même une minute. Et c'est parti. Vous allez me dire ce qu'elle va faire. Elle est Mimi Amélie. Ouais, pour une fois, oui. Bah, elle fait la gueule, mais à part ça. À part ça, ça va. Merci, Mme Yoda. Oh, cousine! Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah! Ah! Oh! Pardon. J'ai reçu un mail du Creator Network, donc vous savez le nouveau game changer, quoi, le nouveau nom des game changers. Et donc, inspecte la cuisine. Très bien, à 75%. Top. C'est quand? Attendez, je vois. Il y a une date? Parce que si je peux, je peux pas être dispo. Ah, faut que je me connecte avant, d'accord. Très bien! Bon, je n'ai aucune info, hein. Je ne sais pas encore quoi que ce soit, mais c'est une invitation à en savoir plus, justement. Donc, j'ai trop hâte. Kiki Fanny, comment tu vas? Ça sent bon tout ça. Mais j'ai rien, ouais. Honnêtement, je n'ai rien. J'ai juste une invitation à en savoir plus, mais pour l'instant, je ne sais pas. Justement. S'ils font ça, c'est que... Ça peut être très cool, hein. J'avais eu cette opportunité également pour Vie à la campagne, écologie, donc c'est des trucs quitte avant-première. Non, c'est pas ça. C'est en gros, ils vont faire un live privé pour les Game Changers. Donc ils vont nous montrer des choses, ils vont nous remonter les trucs, expliquer, machin, ils vont nous montrer beaucoup de choses, en fait. Donc c'est ça, en fait, c'est juste pour ça. J'espère à nouveau pack, ça serait cool. Bah, c'est prévu, Yoshi. Il y a un game pack qui va sortir et 2 Ricky Kits qui vont sortir. C'est prévu, ils l'ont annoncé, donc c'est officiel. Sauf que il y a un Ricky Kits qui a fuité, a priori, qui serait au thème carnaval. Et il y a encore le game pack et l'autre Ricky Kits que pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Mais il y a des gros indices sur le game pack qui, moi, je suis contente, mais parce que ça fait longtemps que je réclame genre ça, si c'est ça. Mais il y en a bien sûr qui sont déjà en train de critiquer, évidemment, comme d'habitude. Quoi. Ceux qui ont annoncé sur Twitter avec l'image. Oui, je pense que c'est ça. Mais là, ce ne sera pas pour un Rekikit.
Alors, on inspecte la cuisine. Vedette débutante, Céleste a commencé son chemin vers la célébrité. Elle a obtenu son tout premier point de notoriété à conserver pour plus tard. Bon, ça, on s'en fout. Céleste a appris qu'Ali était grand maître des boissons à cet endroit au bon petit plat. Le dernier soufflé. Alors, avec son téléphone portable diffusant en direct chaque seconde, Céleste est entrée brusquement dans la cuisine et a trouvé... Personne ? Où étaient donc les chefs ? Elle a entendu des pleurs étouffés à proximité. Dans un couloir se trouvait seul un chef échevelé dans un état de détresse totale. Le chef a ouvert son cœur en racontant comment il avait échoué à gérer le restaurant de la famille et était le seul qui était encore là pour le voir tomber en ruine. Les spectateurs de la vidéo en direct s'en sont rapidement pris à Céleste. Comment a-t-elle pu avoir la cruauté de diffuser le malheur de ce chef devant le monde entier ? Le chef Ali El-Khoury est désormais l'ennemi de Céleste. Les gens sont cons. Parce qu'en fait, un live, c'est en direct et c'est imprévisible. Voilà ! Hein ? Qui sait, là, quelqu'un peut tomber de mon plafond Un tank peut rentrer par ma fenêtre. On ne sait pas. Et je ne l'aurais pas prévu. Et si vous n'avez pas à m'en vouloir ou en vouloir au tank qui rentrera. Hein ? Bon. Ah bah tiens, ça chiale aussi là. Bah ça c'est le cuisinier, tiens. Parce que le truc sur Twitter, je suis pas avec du tout. Enfin pour le moment après, à voir ce que ça a donné. Tu parles du truc du carnaval ? Après les derniers, le Ricky Carnaval. Moi, je vais me coucher. Bonne soirée, Téléonore, des bisous. Repose-toi bien, dors bien. Et tout ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais mis au yoga, lui. Oui, c'est nul comment ils ont réagi. Ta voisine. Le bulldozer. La voisine avec les tuyaux, la voisine avec ses poussières. On sait jamais, hein. Elles sont aussi connes l'une que l'autre, donc... Si j'engueulerai le tank s'il se permet de rentrer chez toi. Il a peut-être une bonne raison de rentrer chez moi, on ne sait pas ça. Ça, vous, on peut pas savoir. Manger au restaurant, écrire des critiques. Il faut que les gamins ils fassent des conneries. Hein. Bon, elle a une bonne. Tu vas écrire des critiques. Excellente, oui, ça c'est bon ça. Je pense pas qu'on atteindra finalement. Enfin, quoi qu'on ait encore un peu de temps devant nous pour essayer d'améliorer la... Pour sa promotion, mais... Les deux qui débarquent pendant le stream, quel enfer. Bah, j'ai fermé la porte, hein. Il faudrait qu'ils aient une clé. Et puis on m'entend, donc on sait que je suis là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà eu des gens qui venaient sonner pendant... en plein live. De ma voisine qui est gentille. Ouais, je peux pas lui dire. Tu sais, je suis lâché. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Je peux pas lui dire. J'ai des gens qui m'attendent. Comment ça, mais t'es piété, genre. Mais y a personne chez toi. Elle est folle. Ma voisine est folle. Non, mais ils sont là, mais ils sont pas là. C'est virtuel. Virtuel, mais réel quand même. Ouais, essaye de réconforter cette petite putain, lui il est fat. Hein. Vas-y, fais des grimaces à tes sœurs. Oh, c'est mignon, il est en train de parler à ses petites sœurs. Trop chouchou. Mais que c'est mignon. Elle vaut mieux pas qu'elle sache pour Twitch, sinon elle va t'espionner. Faut déjà avoir le pseudo, tu vois. Faut se souvenir du nom de Twitch. Si on connaît pas, c'est un peu chelou comme nom. Elle te suffit d'être non. Non, il faut savoir le pseudo. Ils savent pas le pseudo. They don't know that they know that we know. Mais il y a du fromage dans ton inventaire, toi. Et tu vas le manger. Mâcher fromage. Oh, trop mignonne. Oh, il fait ses devoirs sur son bureau. Mais il est magnifique, ce garçon. Bah, il est un peu moche, mais c'est notre fils, donc il est magnifique quand même.
Tu vas faire tes devoirs, toi. Carbozoob. Allez, rien de plus zen que de voir un Sims faire du yoga. Non? Bon, on n'a pas eu la promotion, hein. 660 Simflouz. Pourquoi elle est triste? Oh, Céline, je voulais te dire que je suis enceinte. Sean et moi, remets-toi un bébé. Oui, il était temps quand même. Depuis le temps. Il a parlé à une fille, il est devenu hébété. Bravo Nila, ça a réussi, on a réussi. Ah, va avoir un bébé la petite Nila, c'est beau ça. Ouais, tu vas pouvoir prendre une douche, tout ça. Et après il va falloir que t'engueules tes gosses. C'est pour son aspiration, c'est pas pour le plaisir. Bon, par contre il pue. Hop. Enfin, c'était compliqué hein, pour Nila de pondre, hein, la vache. La mariée et tout ça. On a même bugué, on lui a fait faire une relation avec sa sœur. Un petit peu complexe quand même. Hein. Ouais, quand même. Le pire, c'est que Marine, maintenant quand je commence à le dire en live, je fais « Ah bah tiens, mais Marine, elle est pas là !» Eh hey. On sait, hein. On te connaît, hein. On sait que tu ne viens que pour les comme eux-mêmes. On le sait. Patty. Tu veux parler d'art à ton frère? Bah oui, la gamine, elle te parle d'art, quoi. Enfin, oh oui, vous avez vu le dernier Montigliani? Incroyable, cette texture, cette façon de faire. Moi, j'étais très fan, vous voyez. Un côté abstrait, là, j'adore. On a essayé de se jouer Game of Thrones. Moi, tu penses à moi comme ça. Oh là là. Qui vous dit que je pense pas à vous le reste du temps? Bien sûr. Pas tout le temps, mais ça, des fois ça m'arrive. Il y a des choses qui vont faire passer à certaines personnes. Ou je repense à ce qu'on s'est dit la veille et tout ça, quoi. C'est assez rigolo. C'est sûr que je viens que pour les comme eux-mêmes. Pourquoi d'autres sinon? Bah, à part dépenser ton argent, je ne sais pas. Il suffit qu'elle ait fait une belle peinture, on va confondre avec Picasso, c'est ça. Ah, les muscles sont revenus. Ah ouais. Eh ben, nettoie, écoute, hein, ça te fait plaisir. Mets-toi à une moitié nu, mon chaton, qu'on regarde un peu le bétail, hein. Moi, elle fait un chili. D'ailleurs, j'ai plus de viande, mais il va falloir que j'en achète si je veux me faire un chili. Coucou Céline, comment vas-tu? Laisse mon argent tranquille, t'as rien fait. Ah! Tu veux que je te le rende? Bon, tu vas récupérer moins, hein, parce que en vrai. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça, sa tenue! C'est ça sa tenue de freedom. J'allais dire, mais je l'ai jamais, on l'a jamais habillé comme ça. C'est sa tenue de travail. Oh mon dieu, qu'il est beau. Ça lui fait un beau petit cul quand même. Hein. On passe plein, non? Alors c'est lequel celui-là? C'est lui. C'est l'article, hein, bien sûr. T'as fait tes devoirs? Oh non, oh non. Qu'est-ce que j'ai parlé de sub, moi? Oh là 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 là. C'est pas possible celle-là. C'est pas possible! Ah, tu vas faire les conneries, tu vas mettre le bazar comme ça, maman elle va gueuler sur toi. L'excuse. Fallait pas me chercher. Ouais, mais je vois ça, ouais. Hein? Il a une tête à Bob. Ouais, j'avoue. Mais qu'est-ce qu'il. J'ai dit de faire dans la maison en fait, pourquoi tu vas. Mais qu'est-ce qu'il. J'ai cru qu'elle allait tomber dans les pommes. Je veux dire, mais c'est possible ça, de faire ça?
Alors, éducation, discipliner, sévère, hurler. Voilà. Merci beaucoup, Marine, pour l'abonnement Ferré Ruline. Saleté. Gros bisous. Il se met les poux. Ah, ça peut aller, je suis pas mal fatiguée, j'ai attrapé ce qu'il ne faut pas dire, du coup je suis bloquée à la maison pendant 7 jours. Aïe aïe aïe. Ah bah tu vois, c'est peut-être le mien que je t'ai transmis. Bon, il a eu un petit décalage horaire, c'est normal. T'es dans le sud, hein, quoi, je veux dire, ça fait loin. Mais soigne-toi bien, repose-toi en tout cas, et moi ça va, t'inquiète pas pour ça. On est d'accord qu'elle l'a pas engueulé là. En fait, elle se dit oh c'est l'adopté, on s'en fout en fait. Je m'en branle. Eh bien, ça fait monter son aspiration hein, parce que sinon ils font pas de conneries. Tiens, toi aussi tu vas faire des conneries. Allez, tu vas mettre le bazar. Et maman. Fait. Mais pourquoi? Aïe 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 aïe. Allez, éducation, discipliner, sévère, hurler. Voilà. C'est toujours sexy ces bruits. Hein. Ah bah la responsabilité de Kiri. Voilà. Quelle est d'être chez Bush Blurf? Quoi déjà? J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, dit. J'ai eu deux trucs. Ok. Atteint niveau 10 de la compétence éducation. Bon, ça, on est au niveau 8. Entrer en mode super parent extraordinaire. Avoir un enfant avec 3 traits de qualité personnelle positif. Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Ok. Il y a des bruits bizarres ici. T'iras te coucher après, chaton. Ok. Bah, on va viser Snow, hein, parce que c'est le plus vieux et... voilà. Viser le Snow, parce que c'est le plus vieux. Ah ! Contrôle des émotions, résolution de conflit, empathie. Empathie. Hey, y'a des boys. Ouais, tu vas te coucher. Ah, y'a des lapins, hein. Faut que lui revienne. Hein. Éviter un poisson menacé. Ouais. Si, y'a du ménage à faire. Il faut qu'il rentre. Merci tout le monde au lit, c'est ce que je fais, je me repose, je suis pas mal courbaturée. Ah, mais j'ai pas eu de courbature, moi. Bah, après, chacun ressent différemment. Donc. Sainte Marine, mère des subs encore frappée. Bah oui, parce que j'ai eu le malheur de parler de sub, donc voilà. Ouais. Voilà. Faudrait peut-être retirer le sapin, fini Noël. Ah oui, c'est vrai. Ah, effectivement, Fernand. Non, pas Fernand, mais... On va enlever les décos, voilà, c'est fini. Le sapin à brinque-ballant, effectivement, avec la truc là. Il est moche. Le sapin moche. Hop, voilà. C'est réglé. C'est plus Noël, c'est fini. Tout le monde dort, elle fait pipi, c'est bien, elle ira se coucher après. La petite sœur ou la grande sœur... Non, ouais, c'est la petite sœur, Feta. J'ai réussi. Je veux que la prochaine fois que vous allez aux toilettes, vous faites la même chose que ces bambins dans les Sims. Genre... Voilà. Personne ne vous verra. Je veux que vous fassiez. Quelle journée! Vlad est rentré chez lui et a gagné 132 simflouzes. Incroyable. Heureusement que nos gosses ne traînent pas avec des pots de peinture et de la farine dans les poches. Peut-être pas les tiens. Hein. Peut-être pas les tiens. Mais qui sait. Pourquoi... Ah, je suis pas avec le bon sim. J'allais dire pourquoi il peut plus passer l'aspirateur. Oh non! Merde, je me suis trompée. Bah oui, j'ai fait consulter le niveau de poussière. Oh, je suis un peu toc-toc-toc-toc, moi.
Pas possible, on va me mettre la camisole. Mais non, ça va aller, t'inquiète pas. Ou tu le fais intérieurement, tu fais ouais. Voilà, t'es contente. Enfin, j'ai regardé ton épisode aujourd'hui, pas mal la surprise va ça. Ouais, je sais pas, je me suis dit tiens, pourquoi pas créer un peu d'histoire. Parce que c'est moi hein, qui ai fait, évidemment. Vous vous doutez bien. Bah quand même, t'as pas pris ta leçon. Pourtant, on en a parlé hier, je me suis fait discrète. Pourquoi? Attends. Je sais déjà plus. Je perds la boule, moi, ça va plus, moi. Ah, voilà, il n'y a plus de poussière. Tout va bien, les gamins, en plus, qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi t'as un moins? Il est con, quoi, ce gosse? Qui rit. Kiri. Mon dieu. Il est Kiri, Kiri, hein? C'était pas drôle. Chouette, on va faire un gros vidange. Ouais! Tu vois, il n'a pas été là pendant 2-3 heures. Bah, c'est le moment où il avait fait le plus sale dans la maison. Je dis ça, je dis rien. Ah, pour les subs de marine. Eh, submarine. Submarine. The yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Tu vois, Marine, ton prénom était déjà lié à ton destin de donner et d'offrir plein de subs. Tu le savais même pas. Et là, je viens de te faire une révélation. Non, il n'y a que la vache qui rit. Ah bah donc ça va, je peux rigoler alors. Il fait des soustractions dormant, c'est ça. Petit rapace, elle a une mémoire à court, voire très court terme, et c'est des fois lui rappeler les choses. Voilà, tout ce que j'ai à dire, moi. Tiens, prends ça. Chez eux, j'ai déjà expliqué que je sortais beaucoup de conneries à la minute pour vous divertir et que le temps que vous avez 10 secondes de décalage, ou le temps que vous captiez la connerie, vous dites « Ah !» Vous pensez à la réponse, vous écrivez la connerie, la réponse de ma connerie. Vous l'envoyez, il se passe 2-3 secondes, plus. Le moins je vois, ça fait déjà... Ouh, je suis déjà partie loin. Ouais. Ah, j'en ai au moins 10 et 40 derrière, donc je sais plus laquelle... Et le submarine. Eh, elle était bonne celle-là, hein? C'est pas un poisson rouge. Non. Je suis un poisson vert, moi. Voilà, plus de reproches pour mes subs vu que j'étais destinée, c'est ça. C'est dourri. Pout, ça va. Ça va, allez. Je préfère encore m'appeler Laurie. Non, je rigole, je rigole. Je rigole. Je rigole. Je rigole. Où t'y as faim, toi? Où t'y as faim? Tiens, il y a à manger, là. Mange. Tu es une martyre. Oh là là. C'est dur, hein, la vie de Marine. C'est... Oh, putain. Regarde, Marine, il manque un 6. T'es à 166, mais le mieux, c'est 666. Hein? Il en manque 500. Allez, vas-y. La boule. Yellow submarine. Oh là là, tu connais... Je connais de nom, mais j'ai jamais regardé, donc... Je suis pas une fan. I'm not a fan of... I'm not a fan. I'm not a fan of this. Un jour avant le grandissement des filles. Oui, grandissement, oui, 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 alors. T'as un problème? Moi, je grandis si je veux. Suffit. Me chauffe pas. Merde, mais là, je sais que les 500, tu les feras pas. Et en tout cas, pas en une fois, ça m'étonnerait. T'imagines, toi, 500 d'un coup? Ça va pas bien. J'ai jamais... Je crois que je sais même pas si ça a déjà été fait ou que ce soit sur Twitch. Je pense pas. Mais merci beaucoup, hein, pour l'abonnement offert, évidemment.
Gros bisous à toi, Ismaël et Boone, merci énormément. Oh la vache, je n'ose pas imaginer combien tu as dépensé en tout. Non mais... Parce qu'il y a aussi les bits, hein. Enfin, je sais pas... Mais t'en as sûrement dépensé des bits, oui. Je pense que t'en as déjà dépensé. Si tu connais pas, t'as pas la rêve de Dory. Mais si, je sais qu'elle oublie tout le temps, tout de suite, je sais pas quoi, là. Je sais, je connais le truc, mais... Patty ! Elle va faire pipi, plutôt. T'as du temps ? Non, t'as pas le temps, il va être l'école. Il va être l'école. On lui a demandé comment il est tout beau, tout fier. Fait, moi, je vais faire des ménages comme papa. Comme papa. Vaut mieux pas. Non, non. Vaut mieux pas. Des fois, Marine, elle a des allergies. Hein. Ceux qui sont pas sub, elle les voit dans le chat et puis... Je crois qu'elle est allergique à tout ce qui n'a pas un fessier devant de son pseudo. Alors, le jour où je change et que je mets plus un fessier, qu'est-ce qu'on va faire? En vrai, le correcteur d'autographe est gonflant. Bâche au lieu de vache. Ah! Bon, ça pouvait être une expression, hein. Ah, voilà. Ah! Des bites comme celle-ci loulent. Et à mon petit Martialoux, toujours aussi beau. Mozza a très faim, bah y a à bouffer. Merci pour tes 5 bits, ma petite Marinette. Pouette pouette. Gros bisous à toi. Je vais te fouetter, moi, tu vas voir. Mais laisse-les tranquilles. Occupe-toi de tes fesses, tiens, tu vas y courir. Je pense que tu vas y courir, ça te fera du bien, ma petite. Bon, je les gère, moi, les gosses, hein. C'est bon, j'ai déjà fait 7 bambins. 7 bébés, 7 bambins. Et un acte 2, ça va, c'est pas compliqué. Hein. Mais t'iras te laver après, papa, il va te laver les fesses après. C'est donc bon qu'il va te poser des questions. Mais des sous-marins jaunes à la place des culs. C'est, ouais, c'est ça. Tu sais, il faudrait un émote spécial pour Marine. Le sous-marin jaune. Je ne sais pas comment je pourrais te donner un badge spécial, je ne pense pas que ce soit possible. Mais... à force, ah bah si, je pourrais toujours les passer, mais il y aura plus personne pour les voir. C'est surtout ça. D'ailleurs, ça va être encore une page de pub parce que Fanny a acheté. Et regardez les pecs et tout là, tout qui est revenu là. Ah, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. C'est laquelle ça? Elle va manger. Elle, ok. Après on fera le bain des petites parce qu'elle pue. Donc ça va être encore une page de pub de 60 secondes. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous voyez une petite pub passer, parce que ça fait toujours plaisir, puisque sans rien faire, sans bouger de votre petit cul, eh bien vous me donnez quelques centimes d'euros et ça fait plaisir. Voilà. C'est à dire que vous n'êtes pas sub et que ma reine ne vous a pas encore collé un sub. J'aurais dû faire une animation pour chaque événement avec Marcelou, imagine pour Pâques. C'est qui va faire le lapin et l'autre la cloche? À ton avis, hein? Merde, pardon. À ton avis. Moi je sais déjà. J'ai un avis sur la question. Et toi, arrête de bouffer. Elles sont où les gamines là? Ah, elle, attendez, elle... C'est feta salakis au bon lait de brebis. Eh ben on va laver feta. Je vais dire feta. Arrête de vouloir bouffer. Lui, faut qu'il arrête. J'en ris d'avance. Traduction, si vous dites pub, vous êtes une prol. Une proie. Eh non, il n'y a personne. J'ai envoyé la pub. Personne n'a la pub. Ils sont tout seuls ou alors ils sont trop timides, les gens. Mais c'est qui ça? Marina? Ah! C'est la fille de le Hulk! Oui!
c'est la fille de Glogul qui est Claire. Mais pourquoi tu rentres chez nous comme ça? Sans dire oui, merde, je peux rentrer. C'est pas un moulin ici. Eh, elle est cute, hein. Martial ou en pompon. Ah, avec les petites oreilles comme Chandler, comme dans Friends. Eh, c'est trop, il serait trop chou, déjà comme ça. Mais elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Mais par contre, on veut pas de toi parce qu'on t'a pas demandé de venir en fait. Donc, ouais. N'est-ce pas, Marine? T'as vu ça? Tu le gratouilles et la patte va remuer. La patte, carrément. Salut, Akio, comment vas-tu? Elle est mignonne, Mozza. Et Mozza, va faire pipi. Et où te jouer, là? Attends, il faut que t'ailles faire pipi. Après, on te lave. Promis. Promis, juré craché. Ouais, elle a besoin aussi de divertissement, la pauvre chatte. La pauvre chatoune. Voilà, elle est toute propre. Allez, va jouer. Profitez-en, c'est assez rare de les voir habillées, les gamines. Elles sont toujours en pyjama, donc... Et lui, bon ben, tu vas me ranger ça, tu vas ranger ça. Les gamins sont partis à l'école. Elle, elle court. Elle se raccroche à la vie. Elle se saoule avec les bruits. Ça va, Q, ça va bien. Tu vas faire un peu de yoga. Commence à 13h, c'est ça? Attends. C'était mon défi du jour, fallait que je trouve une motivation face à cette montagne de linge. N'importe quoi. Voilà, compétence bien-être et 75 simflous en moins. Alors, elle, elle joue, elle pue, Mozza. Bah après, tu vas demander un bain de mousse à papa. Ça, c'est toi qui le demande. Au moins, je suis sûre que tu le feras. Alors, ah oui. Travail. C'est ce que je devrais faire, moi, du yoga. Dans ma future vie. Dans celle-ci, j'ai un peu de mal. J'ai pas le temps. On est zen. Bon, je suis incapable de faire ça. La planche... Enfin, c'est pas la planche, c'est le gainage côté, là. C'est dur. Non, pas comme... C'est dur, tout court. C'est vrai que j'allais à crier. Rin, j'avais jamais bondi aussi vite. Moi aussi, Somono, je te rassure, moi aussi, je veux sa ligne. Je... Tout pareil. Hein? On va pas se plaindre. Bah, elle va pas se plaindre. Bon, alors, elle va aller au boulot, donc je vais lui demander de prendre une douche rapidement. Bon, pas grave, ça va s'ajouter, hein. Non. Tu vas aller te doucher avant. Parce que sinon, d'ici là qu'elle aille au boulot, elle va puer la mort. Mais il faut faire du yoga, les enfants. C'est... Après, il y a la glace régime si vous êtes feignant. Enfin, dans les Sims, ça, bien sûr. Dans la vraie vie, le jour où vous inventerez une glace régime. Mais vas-y, mais va à la douche. Mais arrête avec la gamine. Hein. J'ai dit la douche. Oh, c'est pas possible. Mais j'ai dit non. Mais elle est sérieuse. Elle se fout de ma gueule. Voir ce qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. C'est bon. La gamine, elle va, elle va se téléporter. Toi, tu vas à la douche. Eh, hey, sérieux. Oh, mon Dieu. Tout pour m'énerver. Les 7 bambins, c'est fini. Hein. Chasseau.
Faut trouver la boisson de Pepper. La boisson de Pepper. Ah! Non mais c'est bon, elle a perdu pas mal là maintenant. Mais oui, il y a aussi ça pour maigrir, ouais. J'imagine trop panique et te dépêche que tout le monde m'a appelé que tu avais pas fini. Ah. Ouais, on t'a vu Marine, on t'a appelé hein. T'as fini par revenir, tu vois, ça a marché. Hein. On est trop fort, écoute, c'est comme ça. Hein. On sait comment t'appeler maintenant. Alors tu vas... Voilà, tu occupes-toi. Par contre, c'est vrai que les gamins sont assez sages dans l'ensemble. Hein, parce que elle est obligée de corriger les gosses et tout, sauf qu'ils sont assez sages. Donc c'est un truc un peu fou. J'ai jamais rarement vu ça, quoi. Et elles grandissent quand, là? Un jour encore? Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué... de les faire grandir aujourd'hui. Alors, les garçons, regardez, c'est le gang. Le gang des garçons en blanc. On dirait des mecs de la K-pop. Je sais pas s'ils s'habillent en blanc, les mecs de la K-pop. Donc, il y a eux, il y a elle, Roel qui est revenu. Et il y a un autre gamin, mais je sais pas. Il s'est pas encore matérialisé. T'as vu une future meuf plaisanter sur les animaux bizarres? Ah, c'est trop drôle, MDR, t'as vu le tu connais le tamanoir? T'as vu comme c'est rigolo? Avec son long nez et tout. Ah, nous avons Théo Bonnet. Théo Bonnet. Théo Bonnet. Il a les yeux marrons, c'est con. Et un peu de bave sur le menton. Ils étaient marrons, ah, pour changer. Je dévale les escaliers, courir dans mon sac. Je l'ai fait du téléphone, si j'allumais l'ordi, le temps qu'il démarche, t'es foutu. Oh, mais, mais ça t'a coûté beaucoup plus cher, les Laxel, hein, t'es au courant. Hein. Faut pas faire sur téléphone, hein, ça coûte trop cher. Hein. Ah, après, c'est pour vous, hein, mais... C'est dommage. Oh, les filles, elles sont trop chouchoutes! J'ai pas encore fait ma miniature du jour, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Regardez comme elles sont mignonnes! Elles jouent toutes les deux! Chacune de leur côté, toutes sages, toutes propres, toutes mignonnes. Toutes blanches. Toutes pures. $4,49 sur portable. Si je dis pas de conneries, c'est 50 centimes de plus que sur PC. Je crois que c'est $3,99 sur PC. Ça va, j'ai sauté les dernières marches. Tu m'as rendu mes 20 ans en 30 secondes. Oh la vache. Et est-ce qu'on ferait pas pour empêcher Marine de dépenser ses sous quand même? Ah, c'est les voisins. C'est les voisins. Voisins. Oh mon titi, comme tu es jolie. Claire Bonnet. Bah ça doit être la... Ah bah ça doit être les parents. Madame, vous êtes un peu buggée. C'est pas ma... Non, Isabelle Bonnet. D'accord, toute la famille Bonnet qui est arrivée. Ouais, va bien inviter les voisins. Oh mon titi. Ça va ma beauté? Chaton, si j'ai ça, j'ai la sauce de la salade. Attends, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est pour le faire venir. Oh, tu veux goûter? Ah non, il est trop intelligent. Il s'est barré en courant. Il sait très bien que je vais l'attraper. Finaise. Et ils sont futés les chats. Il y en a plein qui disent. On sait pas ce qu'ils pensent. Bah, ils pensent. Ils sont intelligents. Jamie, il a débarqué aussi, du coup. Il s'est dit, attends, il y a de la bouffe. Mais non, c'était pour attraper Titi.
Il s'est vite carapaté, va. Arrête de bouffer, mec. T'as pas faim, en fait. Se renseigner sur la nourriture, présentation amusante, respectueuse, amusante. Voilà. Alors, toi, tu vas aller aux toilettes, tu vas manger et tu vas faire tes devoirs. À un moment donné, il faut faire ce qu'il faut. Toi, eh ben, tu vas faire tes devoirs. Qu'est-ce que c'est que ces pervers, là? Qu'est-ce qu'ils font dans la chambre de nos enfants, là? Pédophiles, hein. Ils sont malades, ces gens, quoi. Pourquoi il y a des ordures, là? Youpati! Alors, est-ce que promotion ou pas promotion pour Céleste aujourd'hui? On n'est pas loin. Elle va écrire des critiques, ça augmente un petit peu sa jauge. Ah, d'accord. Visiblement, quelqu'un qui adore les enfants. Casseur, mais franchement, c'est pas grand chose, tu peux l'amortir. Ça reste plus cher. Bah, Lily Axel, oui, il me semble, oui, je crois avoir déjà vu ta bouille. Je dis pas de bêtises. Sur Facebook, non? Je crois. Si tu es bien la personne à laquelle je pense, j'appellerai pas ça des beaux restes. C'est encore mieux. Comme même. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Bah tu fais le ménage, Jean-Claude. Ah, il a déjà fini ses devoirs, Snow? Mais c'est incroyable, ça. Quand elle rentre, elle va aller éduquer Snow pour ses qualités. Ses qualités personnelles. Ah. Alors, il n'a pas beaucoup de manières. Il faudrait que... De l'empathie aussi, c'est pas mal. Je vais leur acheter le jouet. Ça. Ah, Jamie. Ouais, mais t'es chiant. Tu le sais, ça, que t'es chiant. Voilà. En attendant, il va aller travailler son jouet du docteur. Pourquoi ça m'a écrit de chien? Je sais pas, moi. Oui. Oh, je crois bien. Oui, c'est moi, mais c'est maquillé. Viens voir ma tête au réveil. Ah bah attends, j'allais dire tu l'as pas vu la mienne, mais si. Moi si, vous l'avez vu ma gueule au réveil. Peut-être pas tout le monde, mais... Eh ben, toujours pas de promotion. Ben, on n'est pas avancé aujourd'hui, hein. C'est vraiment nul, hein. On est des sous-caca aujourd'hui. T'as vu, c'est de ta faute ça, Jamie, parce que tu m'as déconcentré. Des sous-caca. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Bon, par contre, toi, tu me jettes ça, là. Comme eux-mêmes. Hmm? Maman. Comme tout le monde au réveil. Comme même. Tu t'écris ça comme ça, toi, comme même. C'est pas comme ça, ça se dit. Hein. Oui. Oui, bidou. Non, moi, du bidou. Moi, je vais manger le bidou. Moi, je vais manger le bidou. Je suis un peu gogole quand même, moi. Je vais manger le bidou. Manger le bidou. Manger le bidou. Elle n'a rien à foutre. Faudrait que je le copie-colle quand même, ouais. Tu les comptes. Un compteur, à quand même.
Travail de Vlad commence dans une heure. Oh, il va épicer. Les voisins qui sans gêne se servent dans le frigo quoi. Snow, alors Snow est... D'accord, Snow est... Ah oui, elle, elle est revenue. Tu vas venir là et tu vas lui apprendre des trucs à ton fils. Arrête! Tu me mords, toi, là. Et tu vas aller au pipi, mon chaton, et après, maman, elle va t'apprendre la vie. En tout bien, tout honneur, évidemment. Évidemment. Éducation... apprendre à dire s'il vous plaît et merci. Arrête de me mordre, Jamie, ça suffit. Oh oui, Mule. Ah oui, oui, vous inquiétez pas, Mule. Quand je rentre, qui veut des câlins, il a... Quand je marche sur les pattes, il fait... C'est comme il est tout le temps dans mes pattes à moi. Ben, ça arrive que des fois, je lui marche sur les siennes. Voilà. Comment ce chat me remercie. Ça va? Tranquille? Vous posez pas de questions si Titi est miaule alors que vous le voyez jamais en plus. Attends, tu lui apprends ça dans les chiottes qui puent? C'est complètement con. Le chat écureuil. Hein? Faut que je fasse un TikTok là où tu fais ça avec tes pattes. Ouais. Comme ça, il apprend les manières, notre fils. Allez, file. Dodobab, Harsakong Garnoush, Hippowa, Mikos. J'ai pas de miniature sinon. Bah, il se passe rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, tu... Bah, viens bouffer, il y a 40 milliards de bouffe ici, Janine. Il y a du chili, tiens. Mmh, du bon chili fait maison, là. Mmh, miam, miam. Ah, il t'a viré... il t'a viré, ton fils. Alors, elle... C'est quoi ces gamins qui savent pas se gérer, là? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Maman, bah, toujours le ménage. Dénigré. Oh là là, c'est quoi cette vie de quel enfer? C'est vraiment horrible, hein, nous faire payer pour ça, franchement. Juste à côté de toi, être sale. Je sais pas, ils ont des, ouais, ils ont des trucs chelous, les... J'avais posté sur Insta, donc je connais la réponse pour Titi. Oui, je sais. En plus, elle est sur mon profil Twitch. Ma tête, tu pourras vérifier si c'est moi. Ça fait quelques mois que j'ai perdu beaucoup de poids. Je me retrouve enfin. La chance. Oui, bah c'est, oui, c'est toi. Oui, effectivement. J'ai repéré. La belle gosse. Le jour où je passe un entretien d'embauche, je vais sortir naturellement. Le com même, ils vont rien comprendre. C'est ça le problème. Oh, elle est tombée dans les pop-hommes. Mes pop-hommes, elle est morte. C'est dommage. Va falloir finir de bouffer, mademoiselle, hein, parce que bon, c'est pas gratuit. Hein. Vous avez vu, hein? Toi, tu vas faire une prise dangereuse. Pêcheur. Il est pêcheur comme eux-mêmes, hein. Bah, elle est partie se coucher, faire une sieste.
Bon, est-ce qu'on s'arrête maintenant? Je pense qu'il est 45. On va attendre que l'autre revienne du boulot, hein. Parce que... parce que les filles, j'aurais bien voulu qu'elles grandissent, mais malheureusement... voilà, quoi. C'est pas encore là. Et sinon, on va dépasser les 2 heures. Donc, on va s'arrêter là. Tranquillement. Et la semaine prochaine, on fera l'anniversaire des filles. Comme eux-mêmes. Et est-ce que notre enfant a gagné un peu en manière? Ah, quand même. Ah, et ça continue de grimper. Il dort, mais comme on dit, hein, la nuit porte conseil. Hein. Et les conseils que sa mère lui a prodigués pour être poli continuent de faire effet. A priori, peut-être contrôle des émotions, responsabilité et manière. Pas mal. Mais non, mais tu... Non. Tu vas pas te faire dessus, tu faisais au pot, t'étais sur le pot. Allez, Jeannine. Jeannine, je t'en prie. Non. Attendez, je la débug. Hop. Oui, tu vas y arriver, ma cocotte. Tu vas y arriver. Allez, on est tous avec toi, on a tous les yeux rivés sur toi. Mozzarella! Fais caca. Je prépare les applaudissements parce que je pense qu'ils vont être de... intenses et mérités. Attention! Ah, ah, je sens que ça pousse, je le sens. Ouais, je le sens. Oui! C'est sorti! Incroyable! Le bouchon a sauté! Tu dois faire comme les bambins. Bonne nuit à toi, Héruline, des bisous. À bientôt. Oui, elle a fait. Oui, regardez, elle est contente. Comme vous tout à l'heure quand vous irez. C'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, c'est la vie. Vous aussi, vous irez faire popo et ben vous ferez. Parce que je vous ai dit que vous devez le faire. Voilà. Moi aussi, j'ai après le live, elle fait à pipi, je fais. Eh ben, mon petit Vladi Vladou, tu vas pouvoir dormir également. Et on reprendra la semaine prochaine. Bon, on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui, c'est un peu la tristesse. Si, on arrive au niveau 9 de l'éducation, c'est la seule chose qu'on a avancé. On n'a pas gagné de rang au niveau du taf. On n'a pas... si, on a avancé dans l'aspiration, j'avoue. Donc, mais bon, il nous en reste quand même un petit peu. Disons que pour le travail, c'est chiant parce qu'on n'est que au 6. Il nous reste encore 4 rangs à franchir. En tout cas, c'est pas grave. On verra ça à partir de la semaine prochaine. Et c'est comme ça qu'on se quitte, mon petit YouTube. Et mon petit Twitch, évidemment. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine pour la suite d'une autre Sauberie. On essaiera d'avancer correctement. Avec ou sans Submarine. Allez, des bisous YouTube, à très bientôt. Ciao, ciao.